un groupe de pêcheurs yéménites ont découvert un bloc d'ambre gris de 127 kg dans l'estomac d'une baleine sans vie. Une trouvaille au large du golfe d'Aden, au Yémen qui a fait le buzz. Ces pêcheurs n'oublieront jamais leur récolte au large du golfe d'Aden. Le média The National News a révélé qu'un très gros bloc d'ambre gris a été découvert dans le corps d'une baleine sans vie. La carcasse de l'animal a été découverte flottant 30 km au large du golfe, samedi 20 février. Les pêcheurs ont demandé l'aide de pêcheurs aux alentours pour récupérer l'animal. Très lourd et volumineux, la carcasse ramenée sur la plage de Dounafa. Les pêcheurs ont alors ouvert son estomac et extrait l'ambre gris. Un bloc de 127 kg qui a fait la fortune des pêcheurs yéménites. En effet, ce que l'on surnomme le vomi de baleine s'arrache à prix d'or, sa substance étant utilisée pour la production de parfums. Un gros lot qui attire l'attention et la trouvaille a tapé dans l'œil de plusieurs hommes d'affaires. De nombreux professionnels du parfum nous ont approchés pour en faire l'acquisition, a raconté Mohamed Abdo à The National. Un représentant d'un homme d'affaires nous a fait une offre à 45 000 rials saoudiens, 98 000 euros. Le kilo sous la matière première s'avère être de bonne qualité. Des hommes armés gardent désormais le lieu où est entreposé l'ambre gris. Nous voulons conclure un accord au plus vite car il devient de plus en plus compliqué de le conserver, a raconté un homme. Nous avons eu une grosse dispute pour savoir comment l'argent allait être départagé entre nous. Reste à savoir combien les pêcheurs empocheront pour la vente. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités Let's Block ADS.